Salut à tous, c'est la Tchoss et la Tchass. Salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de 10 boosters un petit peu spéciale. Alors je vous explique un petit peu, c'est un nouveau concept qu'on a appelé Devine mon Pokémon. Alors je vais ouvrir un booster, enfin je vais ouvrir 10 boosters. La Tchass est tournée, enfin est dos à moi, donc elle voit pas ce que je vais tirer. Et je vais essayer de lui faire deviner la carte rare que j'aurai obtenue dans chacun des boosters. Alors je vous explique. Je vais le faire avec un pour vous expliquer un petit peu. Donc le principe c'est que la chasse ne regarde pas, ne vous inquiétez pas, donc c'est vrai qu'on peut pas. Vous avez aucune preuve qu'elle ne regarde pas, mais bon, c'est plus rigolo si on joue le jeu. Donc la chasse est vraiment dos à nous. Donc je vais passer les communes parce qu'on s'en fout. Sinon ça va durer trop longtemps. Donc la carte. Oula. Ouais déjà. Déjà ça lui laisse. Commence pas comme ça. Déjà, ça lui laisse. Ça sera le mon premier indice, ce sera Oula. Donc essayez de me dire quel Pokémon j'ai essayé de trouver. Oula. Donc elle a trois choix, je vous explique, elle aura trois choix. Donc à chaque fois qu'elle va dire un Pokémon, si c'est pas le bon, je vais lui donner un autre indice, un peu plus implicite, pour qu'elle puisse avoir plus de chances de le trouver. Est-ce que c'est Ectoplasma Foulard? Non. Alors, donc comme indice, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner sur ce Pokémon? Alors je vais lui lire la description qui est ici. Ah ben non, mais en fait, il n'a pas de description ce Pokémon. Tu fais bouger la caméra en fait. Pardon, j'ai cru. Oui, mais qu'elle est dos à nous, elle peut pas nous voir. Donc, le deuxième indice que je vais lui donner, ce sera jaune. Elexprint X. Non, toujours pas. Qu'est-ce que je pourrais lui donner d'autre comme indice là-dessus? Parce que, sans lui donner non plus la réponse. Jap? Jap, ah, c'est dur. Jap, pourquoi Jap? Donc là, comme un sprint, t'as Oula, jaune et Jap. Trois petits mots. Je vois pas. Dis un Pokémon quand même. Enfin, je sais pas, c'est un Pokémon jaune qui fait une impression importante et qui est lié avec le Jap, donc le japonais. Ça commence mal. C'est pas méga sprint. C'est Mega Electrode. Oh yes. Voilà, donc elle a trouvé le premier. Ouais, on est tombé franchement sur la première carte, bizarrement, voilà. Mais pourquoi Méga. Jap? Ben, parce que c'est écrit en japonais Ah ici. d'accord. Ah, tu t'en rappelais même pas en fait que les méga c'était écrit Non, en japonais. j'ai pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on continue avec le second booster. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite parce que, bon, là c'était le premier. J'avais un petit peu du mal à donner des indices aussi. Après, avec l'habitude, ça viendra mieux. Donc dites-nous ce que vous en pensez un petit peu, si ça vous plaît ou pas. Donc on va passer ça. Mais en fait, les mini reverse, bon, c'est pas grave. Deuxième carte. Alors, donc là, pour les Pokémon qui sont pas. Enfin voilà. Vous avez compris, je vais lire la description qui est ici. Alors, son cri profond peut invoquer une meute de cornèbres. On l'appelle le crieur de mauvais augure. Igolta. Non. C'est ça? Alors là, il n'y a vraiment aucun rapport. Non, non, c'est pas ça. Alors, deuxième indice, Ah, je sais, peut-être. Moi, j'ai noir. dit. Noir? J'aurais dit sinon Brabant. Non? Non, est-ce que tu as entendu la description, ouais. C'est Et écrit un dernier Brabant. dernier indice, oiseau. Oiseau noir. Bon, on va te laisser 3 secondes et après on passe. 1, 2, Langue bizarre, je sais pas. 3. Non, raté. C'était un Corboss. Ah d'accord. Dommage. Pourquoi Bon. son cri? Ben, son cri, il peut ramener des cornèbres. C'est un Corboss, c'est son évolution, quoi. D'accord, je crois Igualta parce que tu sais quand il ouvre son. Ah oui, il crie pas lui. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, mais bon, ça, je pense à ça. Allez, le suivant. Hop, ici. Alors. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel.
L'ange. Non. Arc-en-ciel de métal. C'est mieux. C'est vrai que c'est un mot, c'est difficile quand même. C'est moi. C'est quoi? C'est Non. Dialga. Eh oui, Dialga X. Voilà, bon après, voilà, on s'en fout, t'as compris, Dialga il existe que comme ça, je crois. Ouais. Donc deuxième X, c'est vrai que sur 10 boosters, je trouve quoi. Arc-en-ciel. Oui, bah il fait un petit peu arc-en-ciel, regarde, il y a des couleurs bleues, roses. Mais moi je vois pas la carte, donc si tu me dis arc-en-ciel. Bah oui, bah justement, tu vois pas la carte, heureusement. Sinon, hein. Faut que tu devines dans ta tête, arc-en-ciel, qu'est-ce qui est arc-en-ciel? Bah c'est les X, voilà, c'est tout simple. Ouais, Bon, ouais. après, c'est tout simple pour moi, c'est vrai que pour la deuxième personne qui devine, c'est pas forcément facile. Hein. Allez, sinon au suivant. En plus, on fait que tomber sur des ultras, donc bon, en même temps, on est content parce que. Oui, bah c'est ça. Alors, je vais lire sa description à celui-ci, parce que celui-là, il y en a une. Donc, la fumée. En plus, on voit pas avec le focus. Alors, la fumée qui sort de son front contient des rêves de nombreuses personnes et ceux de nombreux Pokémon. Ça, c'est Mouchana. Voilà, facile. C'est obligé. Mouchana, Le connaître. rêve, tout ça. Bon, c'est vrai que les descriptions, ça rend facile, mais quoique, Cornèbre, tu l'as pas trouvé. Non, Corbosse, Cornet. pardon, tu l'as pas trouvé. Non. Donc c'est pas le cas à chaque fois. Ça. Alors, suivant, donc Lilissa description. Alors, il vole en silence dans l'obscurité, à l'aide de ses quatre ailes. On ne l'entend pas, même s'il est proche. Même s'il est très proche. Love sans faire. Ouais. Il y a 4 ailes. C'est pas facile, moi je sais pas si j'aurais trouvé. Bah oui, parce que Love sans faire, il a 4 ailes. Oui, c'est sûr. Il a 4 ailes, voilà. C'est vrai qu'après, les Pokémon avec 4 ailes, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon. Ouais. Bah si, peut-être les papillons, je sais pas si on peut les compter. Ça a pas 4 ailes, juste ça a des. Ouais, ça a des ailes bizarres un peu. Ouais. Alors, il roule des boules de poils pleines d'électricité statique et les range dans des souches avec des baies. Oui, c'est pas facile, lui. Hein. Attends, déjà c'est un truc électrique ça. Hein? Des boules de poils. Mmh. Pas de Raichu, non. Des dents, je sais pas s'il est en rare, mais je pense pas. Allez, dis-en un vite que sinon ça prend trop de temps. Non, donne-moi un deuxième indice parce que là, je sais pas. Bon, là tu donnes ta langue au chat. Alors, le Pokémon, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce Pokémon? Il a 70 PV. Non, mais ça aide pas, je les connais pas les Ah, PV. ben au moins ça te donne un indice de l'envergure du Pokémon quand même. Pas Chiriju? Voilà, trouvé. Ah, ça va. Voilà. Ouais, t'as trouvé, c'était pas mes. Ça pouvait pas être Electrint, hein, ça c'est sûr. C'est Non. vrai que des Pokémon électriques, il n'y en avait pas tant que ça dans cette. Non, rare surtout. Bon, on connaît pas la série par cœur encore, hein. Non, c'est pour ça. Attention. Alors. Seconde carte. Alors, ce Pokémon a l'air pâteau, est capable d'attaquer à la vitesse de l'éclair pour mordre sa proie. Démolos? Non. Aquatique. Alligator. Voilà, gagné. Franchement, ouais, sympa le tirage au final. Au passage, oui, parce que ça compte aussi quand même. Ouais. C'est quand même une ouverture, hein. Même si on essaye à côté de faire un petit jeu. Suivant. Bon, là, je pense que la description va être bateau. Alors, les œufs. Oh non, mince, il y a son nom en fait. Je sais pas si vous voyez la description ici. Voilà, vous voyez qu'il y a le nom du Pokémon dans la description, donc je vais éviter de la lire. Déjà, les œufs, ça me met dans une piste. Alors, attends, on va dire. Obèse. Ça va être le vénin s'il y a des œufs. Non, c'est pas le Ah, vénard. merde! Non, non. Obèse et contente. Heureuse, quoi. Contente, heureuse, ouais, c'est pareil. Non. Non, pas Valtou, je pensais qu'il fallait des œufs. Je sais pas. Hein.
Bon, je te dis une autre couleur. Elle est rose. Rose. Ouais, elle est rose. C'est quoi un mélodèle? Rose, rendu tout redondant, non? C'est des yeux en fait. Non, je vois pas. L'euphorie. Dommage. Tu Oh l'as. merde! Mince! Je suis là, je savais que Et c'était un oui. truc comme ça là. Et J'aurais pas dû dommage, tu sortir aurais. Bah l'évolution. oui, c'est pas le vénère, je pouvais pas dire presque parce que sinon ça donnait trop l'indice en fait. J'avais trop compris sur l'évolution en fait. Et oui, parce qu'il y avait marqué les œufs que pend l'euphorie, j'allais pas te. Pré... Ouais, Sinon c'est c'était ça. bon, c'est l'euphorie quoi. Alors, le prochain. Alors, je regarde s'il n'y a pas le nom dans sa description. Alors, un Pokémon composé de 108 esprits. Il provient d'une fissure dans une clé. Attends, dans une Une clé de fissure spirit voûte tombe. étrange. Ouais, bon, c'est Voilà, bon, j'ai c'est. même pas fini de lire qu'elle a trouvé. Bon, voilà. Vous, c'est spirit tombe. Ouais, bon, voilà. Forcément, on a beaucoup joué à Platine et tout ça, donc. Ouais. Donc, le dernier booster de cette très longue ouverture. Et ouverture pas mal au passage, parce qu'on a déjà eu deux ultras. Ah ben non, trois. Donc voilà, ça sera mon premier indice. Oui, mais ça, c'est pas mal, ça. Ah ben, il n'y en a pas tant que ça des ultras, donc après. Méga. Bon, je sais pas si c'est pas une méga, mais. Méga avec Topaz, hein, parce que j'ai Non. Alors, rouge. C'est vrai que ça va pas être facile là parce que. Voilà. Team Flair? Oui, C'est rouge? c'est la Team Flair. Après, c'est vrai que là, je pense pas Les qu'elle méga-rouges, je arrivera. les connais pas, Ouais, donc. je pense pas qu'elle arrivera à désigner ça. Donc, c'est le casque assourdissant. Donc, t'as trouvé à peu près que c'était une Team Flair déjà. Ouais. Donc, casque assourdissant. Donc, tirage pas mal au final. Sur 10 boosters, ça va, hein? Ouais, Il n'y en franchement, a ça plus va. là, ça y est? Non, il y en a plus. Ouh! Donc, le tirage, au final, voilà ce qu'on aura eu d'intéressant. On n'a pas eu de trop loin. Ouais, c'est ça. Donc, on aura eu une méga, une ex. Et donc la Team Flair et le la Holo Alligator. J'ai tout deviné sauf le Vénard, l'Euphorie, je crois. Ouais, t'as pas deviné Corboss aussi. Ah oui, donc ça fait 2 sur 10 que j'ai pas deviné, donc j'ai 8 sur 10, ça Ouais, va. voilà, donc t'as 8 sur 10, c'est déjà pas mal. Voilà, donc la prochaine fois ce sera à mon tour et on vous dit à plus pour la prochaine. À plus.